wakati tulifika kule tukisha toka fazi baru ya mama tukienda fazi nyingine kule njoka bani yaka. Nous avons accompagné beaucoup de cas des victimes de violences sexuelles. Mais où se trouve l'État? La question de la femme est banalisée. Nous devons aider notre rôle de créer une culture de la paix. Cette ville a grandi surtout à cause de l'insécurité. Depuis les années 70, il y a eu des guerres entre différentes communautés qui vivent dans les environs de Goma. Et à chaque fois qu'il y avait des affrontements, les populations se déplaçaient et fuyaient pour chercher de l'insécurité, de lieu en lieu, jusqu'à arriver à la ville de Goma. Et c'est comme ça que ces déplacés se sont mis dans les, ont été placés dans des camps créés par le gouvernement. Pour être assistés et se déplacer. Ces camps ont augmenté au fur et à mesure qu'il y avait plus d'affrontements. Ce qui pèse énormément sur les infrastructures socio-économiques. Les hôpitaux ne sont plus suffisants, les écoles ne sont plus suffisantes parce qu'elles étaient construites pour une faible population et maintenant la population a augmenté 5 fois, 10 fois plus. Nosotros no nos habíamos planteado venir al este de la República Democrática del Congo para hablar del coltán, el mineral de sangre que se explota en las minas de esta región, muchas ilegales, y que financian a diversos grupos armados que siembran el terror entre la población civil. Pero estamos en Goma, el centro por donde sale el coltán y otros minerales congoleses al exterior, sobre todo de contrabando a través de Ruanda y Uganda, y tenemos la oportunidad de visitar un depósito o centro de recepción de coltán procedente de minas certificadas. Decimos certificadas porque la mayoría son ilegales y algunas están cerradas por decisión del presidente Kabila como reacción a la ley Dodd-Frank de los Estados Unidos que obliga a las empresas norteamericanas a proveerse solo del mineral que se extrae de minas legales. Estas medidas pretendían acabar con la fuente de ingresos de los grupos armados y con la violencia y la explotación de la población, pero no lo han conseguido. Tous ces travailleurs qui étaient dans les mines, ces creuseurs, ben, certains ils sont rentrés aux groupes armés, d'autres ils sont venus gonfler la masse des chômeurs qui sont dans les villes, et d'autres, il y a une partie qui s'est reconvertie dans l'agriculture, la pêche, ou les petites réparations, ou je ne sais pas quel petit métier. Las irregularidades en la certificación y el monopolio en el comercio del coltán todavía son una lacra en la explotación de este mineral tan importante en los componentes de móviles, ordenadores y diversos equipos de alta tecnología. Nosotros hemos venido a Goma principalmente para dar voz a las mujeres víctimas de la violencia, que con los niños son el segmento más vulnerable de la población de este rincón de la República Democrática del Congo. Esta violencia ya dura más de 2 décadas y las consecuencias más crueles se palpan claramente en los campos de desplazados internos. Nous avons plus de 31 camps de déplacés internes à l'intérieur de la province, dans les territoires de Masisi, de Rutshuru, de Walikale. C'est là qu'il y a le plus grand nombre de camps de déplacés internes.
Mais surtout, ces déplacés internes, 70% sont dans des familles d'accueil, sans aucune assistance. À Goma, aujourd'hui, nous avons 5 camps de déplacés internes. Tandis que les 31 dont je parlais, ce sont des cas qui se trouvent à l'intérieur de la province. À Goma, au départ, c'était plus de 120 000. Maintenant, nous sommes aux environs de 70 000. Beaucoup sont déjà partis. Lo primero que nos encontramos nada más llegar al campo de desplazados de Mugunga 1 es media docena de camiones que se preparan para retornar familias a los territorios de Nyiragongo y Rutshuru, al norte de Goma, porque las autoridades ya los consideran libres de la amenaza de los rebeldes. Mientras caminamos por un suelo de piedras volcánicas de la erupción del volcán Nyiragongo en 1937, pedimos al presidente del campamento si podríamos hablar con alguna mujer para que nos explique cómo ha llegado hasta aquí. No es nada fácil encontrar una voluntaria hasta que Cajindo nos dice que sí. Toqué a Kule Masisi. Wakati ba grupos armados walikuwa na kimbiza kimbiza watu kutafuta kubaua kunyanganya vitu na ndio ile wakati tulikimbia. Kisha papa wakamubebaka wakati fujo mingi. Bakaenda naye mpaka leo hakurudiaka kesho hakurudi. Kulamuka asubuhi ni kushinda hivi na niona mimi nachungana na hao watoto wadogo wale wakubwa wao wanaenda tafuta gisi tutakula. Bakaleta mangaribi tunakula. Kama banalala kule sababu mwendo ni mrefu sana na mizigo, banalala kule tunalala tu. Na yenye naacha batoto tunjo banatumika ile kazi. Mie niko sawa vile kilema, siwezi weza beba sababu mwa ile fujo nilibakwa. Na nikalumia sana, nikatunziwa. Sa wakati tulifika huku, nikatunziwa. Na njo bakanikataza nisibebe kwanza mizigo. Isibebe kwanza mizigo mizito sababu ya kuangalia wale watoto undeza wakumalisha na unaga. Njo vile wakubwa kwa wale wanakuwa wanasaidia hapo mimi na wakia na chunga watoto. Hatupokee tena hiyo wakati, tunisha maliza miezi saba. Qu'est-ce que vous préparez ici? C'est la bouillie? Je prépare la bouillie. Bouillie de maïs. Bouillie de maïs. Mélanger avec un peu d'huile. Avec les soja et du sucre. Oui. Ça, c'est une quantité pour combien de personnes? Pour moi, avec ses enfants. Oui. Et peut-être enfants de voisins peuvent venir. Le système n'est pas plus vulnérable. En Galia, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Nimeona kama wanarudisha hapa wakipande ya Nyiragongo na Rutshuru kwa kusema kule njoo amani imekuwa. Aseme si bado tungoi kwanza habaya asema kitu sababu wanaona nabo kule. Bale wenye tulikimbiaka, njoo bale wenye banabakia kule. Sasa wakati yenye unaweza toka huku narudia unafika kule, ase wewe ulitukimbiaka, leo narudia tena hapa kukuya kutuangalia tena kutuchunguza juu uende tena tutafutia wewe watakia kututosha hii fasi. Inaweza kuwa mbaya kwetu. Nina tumainia kama wakati kule kutarudia usalama, inawezekana nirudie na kuendelesha ile maaktivite ya kazi kidogo yenye naweza jifunza huko ndani ya kama. Inaweza nisaidia kule sababu siwezi tena weza kuingia kumpori kwenda fanya fulani vya huko kupitia hali yangu ya mwenyewe. Kama mtu ni mtu moya watakusukia hivi watamzungukia hivi. Hata pata kisi ya kukimbia. Su mayor problema es la escasez de comida, porque la ayuda humanitaria ha bajado mucho. Y después, el paso lento del tiempo lo ocupan como pueden, porque aquí no tienen nada que hacer.
Bueno, hoy sí. Hoy hemos entretenido demasiado a Cajindo y llega tarde a un taller que ha organizado una ONG. Nos dice que los talleres le pueden ayudar para conseguir trabajo cuando pueda abandonar el campamento. No muy lejos de Mugunga 1 está el campo de desplazados Lac Vert, más pequeño y menos pedregoso. Il y passe la journée sans rien faire et il continue à souffrir. Il dit, en tout cas, les déplacés souffrent beaucoup. Surtout les mamans, vous voyez, nous avons des mamans très vulnérables qui continuent à souffrir. Vraiment, nous n'avons aucune chose qui. On n'avait aucun moyen qui peut aider ces déplacés. Et la population totale pour le moment, nous avons 1544 ménages. Et les personnes de ce ménage-là, nous n'en avons pas encore exactement les chiffres. En Lac Vert contactamos con Feza, que nos invita a acompañarla a su tienda para explicarnos su experiencia. Feza se saca unos céntimos preparando con un grupo de mujeres el xikuang, un preparado popular que se hace con harina de mandioca, ideal para los desplazamientos. Con Folastin Musindu vamos a visitar un grupo de mujeres que tuvieron que huir de casa y que viven en familias de acogida en un barrio levantado sobre las rocas volcánicas jóvenes de la erupción de 2002 del volcán Nyiragongo. Des femmes traumatisées et stressées de tous les jours. Et sur ce, nous les accompagnons et nous leur disons de savoir se prendre en charge. Moi, je suis déplacée de Kiwanja. Là, je faisais l'enseignement. Alors, je suis diplômée D6 à l'humanité pédagogique. Alors, pendant la période de la guerre, on s'est déplacé pour venir ici à Goma.
Alors ici, je n'ai pas trouvé de place pour faire l'enseignement. Pour cela, je me suis occupée avec le métier de l'arak. On achète le maïs au marché, on le fait passer dans les moulets. Là, après les moulets, on prend de l'eau, on mélange ça. On vous rencontre dans votre maison au Thier. Alors nous qui nous sommes sauvés, on s'est déplacés, soit à Lisa. Alors à Goma, peut-être là, on peut gagner une vie. Toute la famille est ici. Je suis mère de 5 enfants, 4 garçons et une fillette. Vous habitez avec votre mari ou... Oui, on est avec le mari. On peut y rentrer vraiment s'il y a une vie à l'aise. Mais à ce moment, je ne crois pas. Non. Ils sont partis, les violents? Moi, là, non. Non. Vraiment, okay. Quand on se souvient de la vie qu'on vivait là-bas, au moins ici. C'est on fait avec le bois? Oui, c'est du charbon de bois. Et macaroutous. Eucalyptus. Eucalyptus? Eucalyptus. Ici, c'est la maison d'écoute. Entre temps, il y a aussi les fiches d'identification, de monitoring des violations des droits de l'homme, et puis les fiches de suivi de Castling. Ndio vile tulibakia, tunabakia, tunakosa tulale wapi, tufanye nini. Ndio tunaishi tu saa ile kulomba tu. Sina bwana, niko na watoto mu nyumba, watoto 5 na wajukuu. Sasa vile ndugu akipata kale ka nyumba ananisaidia pale mwaka mzima. Siko itanichokea, ananifukuza. Walikale nikipata fasi ya kuishi, juu hewa ingali mubaya, hakuna kurudia. Mimi taishi tu mwale umaibo. Kwetu hakuna watu. Nasuna, nyumba zilisha. Nyumba zilisha kaanguka. A pesar del dolor y del conflicto, la sociedad civil congoleña está viva y suple con su esfuerzo la escasa presencia del Estado. Il faut se poser la question, où se trouve l'État? Où est-ce qu'on peut voir l'État? Quand les formations médicales sont payées par les malades, les écoles sont payées par les parents, les routes sont arrangées par les citoyens. Mais où se trouve l'État? Il y a un système généralisé de corruption qui fait que même quand les taxes sont collectées, ces taxes n'arrivent pas à satisfaire les besoins de base des populations. Je peux donner l'exemple de l'eau. Nous sommes à côté du lac Kivu, qui est une grande réserve d'eau. Mais il suffit de pomper cette eau et de la distribuer. Mais je crois que c'est seulement un tiers de la ville de Goma qui est servie en eau. El derecho al agua potable está entre las prioridades de un colectivo de jóvenes activistas de Goma. Nous pensons que tous les problèmes du Congo nous concernent. Et parce que c'est très complexe, nous avons fixé les fronts. La première année, nous avons agi sur les secteurs de l'emploi, c'est-à-dire du chômage. Et nous avons aussi sur le front de l'accès aux biens primaires de base, notamment l'accès à l'eau potable, sur lesquels nous avons lancé une campagne depuis avril de cette année sur Goma veut de l'eau. Et donc nous avons fait maintenant plus de 4 cities, nous avons fait une marche, on a fait signer une pétition sur cette question et nous continuons à agir quant à ce. Aussi le suivi de ces calendriers, comme ça on va venir avec. Entre temps, moi avec Chantal, on avait fait des sensibilisations porte à porte. Tous les gens qu'on avait vus dans notre mouvement croit que le peuple a un pouvoir. Et nous,
nous mobilisons les peuples, nous mobilisons le Congo pour lui faire comprendre qu'il y a un pouvoir. Un peuple qui ne demande rien, on ne lui donne rien. Les engagements qu'on avait pris avec eux. Bon, pour la régie des eaux, je sais, jusqu'ici, ils n'ont pas... Nous avons l'espoir, nous croyons à un autre Congo. Nous pensons qu'un autre, un Congo nouveau, le Congo que Lumumba a rêvé, le Congo prospère, est possible. Et nous nous battons pour y arriver. Le cercle, ça signifie tout simplement notre unité pour le Congo. Quand je fais une fois comme ça, ça mène moins de bruit. Quand je fais deux fois... Un jour, on se préparait pour une action et on prenait un verre avec les amis et on a dit « à la lucha ». Et après, pendant cette action, moi-même, j'avais été emprisonnée. Et donc, à l'extérieur, tout le monde disait « à la lucha ». Donc, on continuait à me soutenir, même à l'intérieur de la prison. Ils ont mobilisé. C'est mon pays. C'est ma nation. C'est la lucha. Mboka, mato. Anda pita buzungu. La population est paupérisée, donc elle est maintenue à dessein dans une situation de pauvreté pour que les préoccupations soient les préoccupations de la survie quotidienne. Trouver à manger, trouver le logement, comment se faire soigner. Donc c'est ça la préoccupation. Mais penser comment organiser la cité pour que les gens puissent vivre, ça devient difficile lorsqu'on a faim. Ça devient difficile lorsqu'on a des enfants qui sont malades, lorsqu'on a des enfants qui ne vont pas à l'école, et que ça doit être la préoccupation des parents. La poca presencia del Estado, la falta de policías y la escasa eficacia del ejército regular del Congo empuja a la población a confiar más su seguridad en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, la MONUSCO. La population voit la mission de la MONUSCO comme le salut. Et du coup, tout ce que la population peut demander à l'État, elle le demande à la MONUSCO. Or, justement, c'est une mauvaise analyse parce que la MONUSCO n'était pas remplacée, l'armée nationale. Mais les hommes de troupes qui sont les plus nombreux, ce sont les soldats de l'armée nationale qui devraient être mieux équipés, mieux assistés en termes de logistique et mieux entraînés pour jouer leur rôle. Nosotros mismos hemos confiado nuestra seguridad a la MONUSCO. Queremos ir al norte, a Butembo, y nos dicen que hay algunos tramos bastante peligrosos en el camino. Así que hacemos los trámites oportunos en la sede de Goma de la MONUSCO para que nos acepten como pasajeros. Pero tenemos que hacer un vuelo combinado en avioneta y helicóptero para ir a Beni, al norte de Butembo, con escala en Entebbe, Uganda. En termes d'efficacité, la MONUSCO est plus efficace que la MONUC parce que le mandat il est offensif, le commandement est unifié et l'armée congolaise aussi s'est investie, est montée en puissance. Donc il y a eu une conjonction de tous ces éléments-là pour augmenter l'efficacité par rapport à la lutte contre les groupes armés. Tomamos la carretera que une el aeropuerto de la MONUSCO con Beni, para nuestra sorpresa bien asfaltada, para dirigirnos al norte de la ciudad, a Oisha, a una maison de CUT o Centro de Asistencia Jurídica y Judicial para Víctimas que atiende principalmente a menores de edad violadas. Moïse y Jerry, nuestros acompañantes y anfitriones, nos habían preparado la visita antes de dirigirnos a Butembo. Sí.
Seguimos hacia nuestro destino, Butembo, una ciudad de 500.000 de habitantes teñida de la tierra roja africana. Aquí tiene la sede el GADOP, Grupo de Asociaciones de Defensa de los Derechos Humanos y de la Paz, que reúne a 16 entidades. Il faut bâtir sur de nouvelles valeurs. Et c'est notamment, plutôt que la simple cohabitation pacifique, notre rôle c'est de d'aider à créer une culture de la paix qui, celle-là, est durable et permet de pouvoir travailler ensemble. Ne plus continuer à se regarder comme des ennemis, mais comme des personnes qui... c'est normal qu'on s'est trompé de vision pendant un temps et que par le fait d'une éducation beaucoup plus appropriée, on apprenne à vivre ensemble. Nous sommes dans une période post-conflit parce que les grandes guerres sont finies depuis la fin 2004, mais il n'empêche qu'il y a encore des groupes armés, aussi bien étrangers que locaux. Deux grands groupes armés étrangers sont les FDLR et les EDF, disait EDF Naloup. Mais à part ça, ces groupes étrangers, il y a aussi des groupes rebelles locaux ou nationaux, comme les groupes les Mai Mai Simba de Morgan. Ils ont commis beaucoup de violations contre les populations congolaises, malheureusement. Ils ont incendié des villages, ils ont tué des personnes, ils ont violé des femmes dans les villages qu'ils envahissaient pendant les nuits. Oli. Oh, karibu, mamarita. Karibu, karibu. Bienvenue, bienvenue. Bonjour. Abidana. Salut. Et nous sommes ici en train d'évaluer le travail qu'on a fait depuis le lundi et mardi. Alors, on est en train de voir comment les gens qui étaient sur le terrain sont en train de reporter ce qu'ils ont eu à faire par rapport au travail que nous faisons pour l'accompagnement des femmes et des enfants vulnérables victimes de diverses violations. Mais par rapport à cela, il a fallu que les équipes descendent sur le terrain pour voir ce qui est fait et comment ça s'est fait déjà. Et c'est ce qu'on était en train de nous expliquer, qu'il y a quelque chose qui se fait, il n'y a pas une même compréhension partout où nous avons envoyé les équipes sur le terrain. Pero aunque los centros de atención personalizada o Maison de Coutre que Femmes Juristes gestiona alrededor de Butembo sean bien aceptados, siempre corren el peligro de que los grupos armados ataquen los que están en zonas mineras y desmonten la labor bien hecha. Y a el papá de una víctima que había sido tuée en la ville ici y que viene a recibir la suite
les informations sur l'évolution de la procédure, comme nous sommes en train de l'accompagner. C'est ainsi que je vais aller discuter avec lui. D'accord. Na ule mtoto alisha kufa. Nilijisikia siki ya mami kwa hapa anaweza kutujizie. Maneno isha basi. Le cas que nous avons reçu, ce sont des victimes qui varient entre l'âge de 0 à 17 ans surtout. Et il y a aussi des victimes majeures. Ce sont des victimes de violences sexuelles commises sur eux par des auteurs différents. Il y en a des victimes de violences sexuelles commises par les civils et les victimes de violences sexuelles commises par les militaires et les groupes armés. Pour aller à la FEPSI et de là, on va peut-être devoir la soigner, la consulter. Nous allons négocier qu'on puisse juste l'intégrer dans le programme. C'est pratiquement ça le cas de tous les jours qui nous arrivent. C'est ce que j'avais dit. On ne sait pas dire qu'il y a des gens, ils viennent toujours d'eux-mêmes parce qu'ils ont appris que nous prenons en charge nos accompagnants. Le fascine, elle est venue très loin de Kamandoulak. La coutume, c'est vraiment un grand problème. C'est une des principales causes qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup de problèmes dans la communauté. Et à côté de la coutume, il y a le problème de pauvreté. Et donc la pauvreté est tellement généralisée que les gens sont victimes seulement par pauvreté. Et il y a aussi le problème des guerres. Notre milieu a connu successivement des guerres et des conflits, ce qui a rendu encore la population plus vulnérable. Et les communautés ont été vraiment victimes de beaucoup d'affres et de guerres. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur champ. Ils ont quitté leur milieu, il y a eu instabilité. Donc, tout ça, ce sont des causes qui font que la femme est vraiment à la base. La femme est au centre, parce que c'est elle, souvent, qui a les enfants. C'est elle qui a la charge de famille. C'est elle, pratiquement, qui reste à la maison et qui essaie vraiment de couvrir tant soit peu tout le besoin de la famille. Face à la coutume et à beaucoup d'autres problèmes, les gens ne savent pas demander des choses parce qu'ils ignorent leurs droits. Ils ignorent la loi, ils ignorent comment se comporter quand on est en face de telle ou telle autre situation. On banalise toute chose, la question de la femme est banalisée et ça nous pousse, nous, en tant que femmes juristes, de penser que nous avons un rôle à jouer dans la communauté. Et ce rôle, c'est d'informer d'abord cette communauté qui est ignorant, qui ignore ses droits. Parce que quand quelqu'un connaît ses droits déjà, c'est quelqu'un d'affranchi. Il sait réclamer ce qui lui revient de droit. Et il sait par quelle voie passer pour réclamer son droit. Hacemos una pausa en los trabajos más estrictamente de asesoramiento jurídico de mujeres juristas para conocer los programas educativos y más centrados en la sensibilización de los jóvenes de la Asociación de Defensa de los Derechos de la Mujer. Nous avons constaté lors de nos statistiques de monitoring que beaucoup de violences se passaient dans les écoles. Et c'est pour cela que nous avons commencé un programme il y a 2 ans, un programme de sensibilisation, de prévention des violences sexuelles en milieu scolaire. Mais cette activité, pour sa réussite, nous faisons la sensibilisation d'abord au niveau des enseignants, puisque ce sont le potentiel violeur des élèves et les autorités scolaires. Et par après, nous faisons une sensibilisation avec les élèves. Et de cette sensibilisation, on crée un comité de dénonciation des violences sexuelles commises en milieu scolaire. Donc, les garçons et les filles se mettent ensemble et discutent maintenant ensemble
Nous voulons vraiment que les filles puissent s'habituer à un langage, aux sollicitations des garçons et pouvoir se défendre. Nous avons dit que nous avons créé des maisons d'écoute. Nous avons 6 maisons d'écoute et une clinique d'assistance psychosociale. Je suis venue à combien de temps pour la surprise. Qu'est-ce que je vois dans ma gorge? Je me suis passé ma semaine à l'école. Je me suis dit que mon enfant est là. Je suis stagiaire. Je me suis dit que je suis là. Je me suis dit que je suis là. Je me suis dit que je suis là. Après trois jours, Tout ça c'est Boutembo. Nous allons à Kipese. À Kipese c'est à 67 km à partir de Boutembo. C'est un village de vers les hautes terres de notre zone. Il fait vraiment froid et là-bas il y a une forte densité, il y a une population vraiment très active. Et nous, nous y travaillons avec les communautés pour faire l'éducation aux droits. Et nous sommes en train d'éduquer la population, mais aussi la structure communautaire, à savoir, ensemble avec la population, élaborer des plans d'action, développer des activités de développement pour l'autonomisation et de renforcer le mécanisme de protection des droits de la femme et de l'enfant surtout. La première marginalisation, ça concerne les violences sexuelles. Nous avons d'abord la succession, donc l'héritage. Nous avons les problèmes des conflits terriens. Nous avons les problèmes là d'adultère. Nous avons les problèmes de destruction méchante. Nous avons les problèmes qui concernent les coups et blessures. Et surtout, les problèmes, il y a aussi les problèmes là de grossesse. Donc, la femme était considérée comme un objet. Peu d'hommes ont compris qu'il n'est pas de changer. Il y a aussi une autre situation, où les enfants abandonnaient les études à cause de pauvreté pour aller travailler dans des fermes. Et là-bas, les enfants étaient exploités sexuellement comme économiquement. Ils sont exploités là-bas, mais les enfants ils vont quand même en grand nombre au détriment de poursuivre leur éducation, les études. Donc il y a un abandon scolaire important. Les montagnes qui sont ici aux environs, ce sont des montagnes qui sont occupées par des bandes armées, même jusqu'aujourd'hui. Cet endroit, c'est, je peux dire que c'est une passerelle entre les bandes armées qui
qui vivent au sud du territoire de Lubero à Rutshuru et ceux qui sont à Beni. Donc lorsqu'ils veulent communiquer, ils passent par ici. La semaine passée, il y a les femmes qui voulaient se rendre au marché au Graben à 5h30 du matin, qui ont rencontré des bandits qui ont été violés ici le matin à 1 km. De nuevo en Butembo nos esperan los responsables del Hospital de Fepsi, la asociación integrada en la coordinadora GADOP dedicada a la asistencia hospitalaria de mujeres y niños vulnerables. Además de asistir en el embarazo y el parto y de tratar enfermedades de transmisión sexual, han llevado a cabo campañas de sensibilización para concienciar y poner fin a las agresiones sexuales. Celle-ci vient d'accoucher. Il y a à peine 30 minutes. Oui. Elle a un joli bébé qui vient d'accoucher. Ah bah, maman. C'est un bébé de 30 minutes. Elle s'appelle Jackie. Hein? Elle a été engrossée par un garçon inconnu. Et elle a été amenée ici par sa famille. Et nous l'avons accueillie. C'était une grossesse, elle avait 14 ans. Elle a 14 ans jusqu'à maintenant. Et quand nous avons évalué tellement qu'elle était encore petite, nous avons décidé de l'opérer parce qu'il ne pouvait pas accoucher par voie basse seule. Parce qu'elle est encore immature, les organes génitaux ne sont pas en mesure d'avoir un bébé par voie basse. Ouais. Et voici son bébé, Volonté. Oui. Ils ne sont pas d'ici. Celle-ci a 15 ans. Elle s'appelle Moavita. Elle aussi a été amenée ici par sa maman, en état enceinte. Elle aussi ne connaissait pas la date de sa grossesse. Elle ne savait pas. Et nous avions fait l'échographie pour préciser la date de sa grossesse. Et nous l'avons admis, elle est là. Nous sommes avec elle et nous l'avons accouchée. Elle, par grâce de Dieu, elle a accouché par voie basse. Mais c'était par rapport à un civil ou bien de... C'est un civil. C'était un civil. C'est un civil, oui. Mais qui n'est pas là, il a fui, il n'est plus là. Et il nous arrive des cas de grossesse déjà, ici du viol. Dans ces cas, nous sommes obligés de les prendre en charge selon sa grossesse. Et nous avons vu les caravanes. Quand il arrive au troisième trimestre, nous l'hospitalisons et nous suivons la grossesse jusqu'à ce qu'elle va accoucher. La plupart accouchent par césarienne, du fait que psychologiquement, ils n'étaient pas préparés. Ils ont des traumatismes et le travail ne démarre pas normalement.
Et les enfants, nous les prenons à charge jusqu'à 5 ans, faute de nos moyens. S'il a un problème avant les 5 ans, il a une maladie, il a quoi, nous, FEPSI, nous nous occupons de cet enfant jusqu'à 5 ans. Bon, au fait, nous, on pensait que les violences sexuelles vont prendre fait avec notre sensibilisation, mais on est désolé, les statistiques commencent à augmenter toujours. On pensait qu'avant que c'était à cause de la guerre et que ce sont les militaires qui violaient les gens pendant leur passage, là où il y a les militaires, il y a les troupes armées. Mais ces derniers temps, on est étonné, et il y a aussi les civils qui violent les gens. Et le nombre des civils est devenu plus élevé par rapport aux militaires. Alors, c'est pourquoi ces derniers temps, nous penchons plus à la sensibilisation pour montrer aux gens que tu peux violer, bien sûr, mais il y a aussi, tu peux violer quelqu'un qui est déjà malade, toi aussi tu t'infectes par là. Alors, c'est ça l'évolution. On pensait qu'avec les sensibilisations, ça va prendre fin, mais ça continue toujours. Ok, elle a fini. Ici, dans le monde, les patates, Ha llegado el momento de dejar Butembo y emprender el camino de vuelta. No hemos podido cuadrar la agenda de vuelos con la MONUSCO y tenemos que volar a Goma con una compañía privada. Les gens se débrouillent, ils vivent le jour du petit commerce. Les activités aussi pour essayer de se détraumatiser, pour essayer de vaincre la peur. La mairie, par exemple, encourage énormément
qu'il y ait des foires. La population organise des activités récréatives, comme des kermesses par exemple, où les gens se retrouvent pour suivre des spectacles, mais aussi pour manger quelque chose, se détendre. Tout cela contribue à maintenir un semblant de normalité, malgré la peur que l'on peut trouver sur le visage des gens. Alors, les uns se réfugient dans la violence pour essayer de trouver des solutions, et d'autres se réfugient dans les églises pour confier à Dieu leur malheur et tout ça, en espérant que Dieu va intervenir dans leur vie et arranger la situation et faire ce que l'État aurait dû faire. Plusieurs des produits que nous importions de l'Ouganda, nous commençons à les produire à Beni-Lubero. Et cela, ça témoigne du dynamisme des populations congolaises qui peut permettre, sur lesquelles on peut fonder l'espoir que ce pays peut bien marcher s'il a la paix et s'il a la, s'il est encadré. S'il reçoit un minimum d'encadrement, permettre un changement radical sur lequel on peut compter pour des changements positifs dans les prochains avenirs. Hehehehe